Bonne journée, au revoir. Une belle journée. France Bleu Auxerre vous accompagne où que vous soyez dans Lyon. Dans un instant, direction l'église Saint-Eusèbe à Auxerre. Ce soir, une grande voix. 11h30, des couleurs à votre week-end. Ce soir, Mathieu Salama sera en concert à l'église Saint-Eusèbe d'Auxerre. Mathieu Salama, un grand contre-ténor. Bonjour Mathieu Salama. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Vous me donnerez des exercices de diction, hein, parce qu'un contre-ténor, parfois, c'est compliqué à dire. On va faire des exercices d'articulation en plus. Exactement. Bon, Mathieu Salama, votre tournée continue. Vous êtes passé déjà chez nous à Sens, c'était le 26 avril dernier. C'était d'ailleurs quelques jours après Notre-Dame, après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Oui, et je me souviens qu'on en avait parlé et que vous y alliez dans une démarche un petit peu particulière. Pas dans la même démarche que d'habitude. Comment ça s'est passé, ce concert? Le public a répondu présent. C'était un vrai plaisir à Sens. Il y a eu d'ailleurs un hommage à Notre-Dame, une grande pensée pour ce qui s'est passé. Voilà, j'ai chanté deux Ave Maria en hommage à Notre-Dame, notamment un de Caccini et un Ave Maria sur un prélude de Bach de Gounod. Voilà, donc c'était fort en émotion, le public était ravi, et puis voilà, j'ai toujours rendu hommage aussi au castrat avec ce récital aria baroque, autour de toujours de ces grands compositeurs de musique baroque, Vivaldi, Handel, Porpora, Purcell, Caccini et plein d'autres. Mathieu Salama, vous enchaînez beaucoup de dates. Vous étiez à Rouen il y a quelques jours, vous serez à Reims, vous avez passé par Caen, Bordeaux, un petit peu partout en France. Chaque concert est différent. Alors le programme est différent. C'est une tournée qui s'appelle Aria Baroque. Donc c'est toujours autour de grands compositeurs de musique ancienne, accompagnés par des musiciens qui jouent sur des instruments anciens, viol de gamme, clavecin, violon également. Au bois, basson. Et si vous voulez, pour vraiment varier un petit peu, parce que les gens me suivent aussi, donc j'essaye au maximum de varier ce programme en changeant un petit peu les opéras. Donc on travaille sur des opéras très différents qui nous tiennent à cœur tous. Et voilà, donc le programme se ressemble, mais toujours avec des airs un petit peu différents. Et puis je fais des petites surprises dans les pistes. Voilà, donc c'est très varié. Et j'essaye vraiment, pour le public qui est différent, mais même des fois qui me suivent, de changer un petit peu les morceaux. Voilà. On viendra vous applaudir avec plaisir ce soir à l'église Saint-Eusèbe d'Auxerre. On retrouve toutes les dates de tournée sur votre site internet www.mathieusalama.com et on retrouve également dessus votre nouvel album Aria, Vivaldi et Handel. Merci beaucoup Mathieu Salama d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir et puis à très bientôt sur le chemin artistique. Avec grand plaisir. Belle journée au revoir, et bon concert. Il s'en passe des choses dans Lyon avec couleur.